salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau top 10 de Code QG, cette semaine spéciale Hitmarker. Voilà ce moment vraiment tellement rageant quand tu penses que t'as tué l'ennemi ou tu penses que tu vas réussir à faire ce que tu veux faire. Et boum, Hitmarker, pas de kill, la petite croix, la croix de la mort qui arrive en plein milieu de l'écran et qui fout les nerfs. Et on va voir ça justement tout de suite à la 10ème place. On se retrouve avec Nira qui est sur Call of Duty 3. Et oui, effectivement, les Hitmarkers, ça a commencé déjà sur Call of Duty 3 et même bien avant, j'imagine. Alors, particularité Call of Duty 3 pour les snipers, en tout cas, les noscopes vont toujours tout droit et boum à travers la map. Hitmarker, bonne petite rage. Alors là, il bouge plus, il dit mais qu'est-ce qui se passe, alors mais il est où mon kill? Et tu vois, mais non, allez hop, j'allais dire bien joué, mais non, mais bonne mauvaise chance. 9ème place, on se retrouve avec EQs, pardon, je sais plus comment. Bref, il est sur World at War, ça fait plaisir de World at War. On y va un peu crescendo dans le Call of Duty, ça fait du boum, le petit turn Hitmarker. Et bah voilà, alors les petits couteaux en l'air, on sait jamais qu'il est fait avec marqueur sur une mouche et qu'elle soit juste devant. Mais non, malheureusement, il était bien loin de la map. Et voilà, bon, c'est un peu rageant, mais bon, finalement, bah tu passes sur le top 10 de Code QG, l'autre consolation. Allez, 8ème place, on se retrouve avec IF Lucky qui tente Patrick Shot. Oh, sur Advanced Warfare pour le dernier kill en match à mort. Et malheureusement, on le sait bien, encore une fois, petit Hitmarker rageant, voilà. Donc, bah surtout quand c'est pour la kill game, tu dis, bon, j'étais quand même si près du but. Bon, allez, c'est pas grave. 7ème place, on se retrouve avec Extra Impact. Et justement, bah l'impact, il va pas vraiment l'avoir sur le coup, puisque il y a eu la triple. Mais les générales, attention, mais les générales, la triple qui s'aligne parfaitement et BAM, rien du tout, même pas un kill à l'autre consolation. En plus, il se le fait buter, bah bref, voilà, en tout cas, pas de chance, mon pote. 6ème place, on se retrouve avec Kai Zio qui est sur Hijacked et qui va nous poter un petit trick shot avec par rien, encore une fois, MME pour le dernier kill pour la kill cam avec un extra méga wallbang et qui ne passe pas sur ce petit joueur à la LSAT détecteur de cible comme on les aime. 5ème place, on se retrouve avec Monster bref, il est sur un mec sur MW3 avec la veste balistique, c'est abusé là. 4 Hitmarkers sur la veste balistique, c'est pas possible. Déjà, 1, on comprend, 2, mais alors 4, c'est pas possible, il dort dedans. Mais là, je comprends pas comment c'est possible, elle est sûrement à ses pieds et il la récupère à chaque fois parce que 4 Hitmarkers, ce n'est tout simplement pas possible. Super, follow sur Hijacked, attention, le petit window shot. Et pour Hitmarker, encore une fois, y a pas de surprise vraiment, on sait qu'il va y avoir Hitmarker. Vous étiez bien que s'il y a la kill cam, il y a un problème sur un top 10 Hitmarker. En tout cas, ça fout les nerfs. Allez, 3ème place, on se retrouve avec Steel Zero. Pour la prononciation, j'ai du mal, décidément, avec vos noms. Et alors là, il va nous faire un petit kill instant swap sur le DSR, il doit refaire un petit kill en double feed, attention, hop, le trick shot, et malheureusement, ça ne passe pas, et pourtant, sur Black Ops 2, on sait que ça passe à travers tous les murs avec le DSR 50, mais là, cette fois-ci, la chance n'était pas de son côté, la malchance était là, il était caché, il ne s'est pas fait tuer, la rage. 2ème place, on se retrouve avec Bitrix, qui en démolition, je crois bien, puisque je vois 2 points pour gagner. Et bref, il va nous faire une petite série d'Hitmarkers au balista. Il va nous en faire 4 d'affilée. Voilà, encore, encore et encore sur la map encore. Attention, jeu de mots de merde. Première place, on se retrouve avec Arise, qui a l'USR sur la map Octane. Ça a été vraiment très varié en termes de Call of Duty sur ce top 10, et ça fait plaisir. Et il va nous faire un petit marqueur. Attention, le deuxième ennemi, petit marqueur. Okay, il se fait tuer, bon, bien pour foutre les boules. Voilà, les deux ont pris, hein, tout simplement. Mais derrière, il ne s'arrête pas là. On peut dire que Ori, c'est un mec chanceux. Un mec chanceux avec les Hitmarkers. Il les a, encore un troisième. Allez hop, en plus, il se fait buter. Je pense qu'il doit avoir un petit peu les boules. Mais c'est pas grave, il persévère. Il dit, je vais pas arrêter. Un quatrième, allez hop, c'est la fête du string. Un quatrième Hitmarker. Mais on se dit, on va pas s'arrêter là, puisque la chance des Hitmarkers lui sourit. Il va nous en faire un petit cinquième pour encore une fois se faire tuer. Ça doit foutre les nerfs quand à chaque fois tu fais Hitmarker et les mecs. Ils t'en font pas, par contre, eux ils te tuent direct. Ouais, là. Allez, hop, m'en saouler. Ok, un marqueur chacun, y'a pas de jaloux. Y'a deux mecs au milieu, je mets un marqueur sur chacun, hop. Et ils me tuent après, donc. Ah bah toi aussi t'en veux un hitmarker, vas-y, mets-moi un turn, vas-y. Triple missile allié en approche. Okay, attends. Ah toi aussi t'en veux un, d'accord. T'as piqué de marqueur là, c'est tout chouette. Ouf, t'as beaucoup de marqueurs. Ah ouais, tu disais, ouais. Hitmarker encore. Hitmarker. Hitmarker. Mec. Voilà, donc l'autre consommation, quand même, félicitations parce que t'es à la première place du top 10 de Code QG et tu gagnes la subbox de COD QG pendant une semaine. Et félicitations également à tous les participants. Alors, félicitations dans un sens ou en tout cas, je suis vraiment désolé pour vous tous parce que je sais que ça fout les nerfs ce moment où tu fous le hitmarker et là tu t'arrêtes, tu dis.
Non, c'est pas possible. Et des fois, t'as même envie de pleurer. Alors, pas vraiment envie de pleurer, mais voilà. Mais bref, en tout cas, bah, j'espère que ce top 10-là vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, votre avis, etc. Vous avez l'habitude. Petit pouce vert également, ça fait plaisir. C'est la récompense. Félicitations à tous les participants qui ont participé là. Et également, si vous voulez participer pour le prochain top 10 de Code QG, c'est simple. Vous prenez votre clip et vous l'envoyez à l'adresse mail qui s'affiche à votre écran. Et vous demandez quel est justement ce top 10. Top 10 spécial old school. Voilà, tous les Call of Duty. Sauf Advanced Warfare, et je sais que ça va faire plaisir puisqu'on aime le old school chez Call of Duty. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce top 10. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Que du bonheur, que de bonnes choses. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.